Yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Nous sommes de retour sur Warcraft 3 Reforged et on continue notre campagne. Donc on a terminé le prologue Exode de la Horde avec des petites missions plutôt sympas pour introduire un petit peu tout ça. Et maintenant, eh bien, nous commençons et nous entrons dans le vif du sujet avec la campagne humaine. C'est parti pour la première cinématique. Nos rapports affirment que les orques se regroupent. Les attaques récentes contre les réserves en sont la preuve. Tout à fait. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ma nation ne restera pas les bras croisés pendant que la Horde se masse à nos portes. Les orques ne sont pas notre principale préoccupation. Combien de fois devrais-je le répéter ? Roi Terenas, je vous prie de m'écouter. La peste qui sévit sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. La peste ? Vous autres mages voyez le mal partout. Gardons un peu de mesure. Même si cette peste constitue une menace, que proposez-vous ? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Grintor se tient prêt à placer les villages sous quarantaine. Il suffit. Je ne vais pas décréter la quarantaine sans preuve tangible, ambassadeur. Les habitants de Lordaeron ont assez souffert sans devenir en plus prisonniers de leurs propres terres. Ils sont déjà prisonniers, sire. Qu'est-ce que ça signifie ? Qui êtes-vous ? L'humanité est en péril. De terribles ténèbres nous menacent de nouveau. Et tout Azeroth est au bord de la guerre. Assez ! Garde ! Emmenez ce fou ! Écoutez-moi ! Votre seul espoir de sauver les vôtres est de fuir vers l'ouest, de rejoindre les terres oubliées de Kalimdor. Partir vers l'ouest. Vous êtes fou. Un instant, ambassadeur. J'ignore qui vous êtes et ce qui vous anime. Mais l'heure n'est pas aux spéculations. Nos terres sont certes ravagées par la guerre, mais c'est à nous et nous seuls qu'il revient de protéger notre peuple, et à personne d'autre. Partez maintenant. J'ai failli à mon devoir auparavant, mais je ne faillirai plus. Si vous refusez d'écouter ma mise en garde, je trouverai un autre moyen de me faire entendre. Je les ai avertis. Leur destin leur appartient désormais. Ok, alors petite précision, dans les commentaires vous avez été quelques-uns à me dire que le son était un petit peu faible, notamment au niveau des cinématiques. Et ça, malheureusement, le vrai problème, c'est que c'est un souci de mixage au niveau du jeu. Parce que j'ai fait quelques essais de mon côté, et c'est-à-dire que vous voyez les effets sonores en fait. Le souci c'est que lorsqu'on les augmente, eh bien il y a tout qui est augmenté, mais il y a surtout les bruitages qui sont augmentés bien plus que les voix. Donc en fait, vous allez entendre tous ces espèces de bruitages à la con, beaucoup plus que les voix, et ça va même masquer les voix. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que la musique, ok, il n'y a pas de souci, mais les voix,
eh bien, elles ne sont pas séparées. J'aurais préféré avoir musique, effet sonore, et puis dialogue ou voix. Et là, on aurait pu tout régler. Donc, malheureusement, voilà. C'est pour ça que je vous laisse bien les sous-titres. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre les cinématiques. Essayez peut-être de tendre l'oreille. Mais malheureusement, malgré tous les essais, je ne peux pas faire mieux. Voilà, voilà. Allez, on a terminé la cinématique. Évidemment, ils ont été prévenus. D'un côté, on sait que la peste est en train de ravager un petit peu les terres. Et puis, il y a la vraie menace qui commence à arriver. Et c'est maintenant que ça va se passer avec le chapitre 1, la défense de Stran Brand. J'ai toujours du mal avec ce nom. Chapitre 1 de la campagne humaine. Suite au récent soulèvement orque dans le sud du royaume, le commandement de l'Alliance a opté en faveur de mesures radicales. Le roi Terenas a envoyé deux de ses plus illustres paladins, son fils Arthas et Uther, le porteur de lumière, mettre fin à cette menace orque. Et là, comme vous le constatez, regardez un petit peu sur la gauche de la map, on est du côté de Stranbrad, et puis, comme on peut le voir un petit peu plus haut, Bryl, Andoral, Earthglen encore plus haut, tout ce qui est Malterre en fait. On n'est pas loin des Plagues Ouest. Bienvenue, prince Arthas. Votre présence nous honore. Oubliez le protocole, Uther. Je ne suis pas encore roi. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, mon garçon. Je suis heureux que le roi Terenas vous ait envoyé. Mon père espère encore que votre sagesse et votre expérience déteindront sur moi. Un père a bien le droit de rêver, pas vrai? Bon, faisons un point sur la situation. Nos éclaireurs ont confirmé la présence d'un camp d'orques quelque part au-delà de la prochaine crête. J'en étais sûr. Mais il y a pire. Ils se préparent à attaquer Stranbrand. Et à notre connaissance, le village ne dispose d'aucune défense. Je dois trouver la base orque au plus vite. Pensez-vous pouvoir assurer seul la défense de Stranbrand? Bien sûr, Uther. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Rejoignez-moi au camp des orques une fois le village hors de danger. Soyez prudent, Arthas. Ok, défendre Stranbrand, se rendre à Stranbrand et Arthas doit survivre. Donc ouais. Moi en fait là, la première question que je me pose c'est où est la mise en scène que Blizzard nous a promis? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que lors de la BlizzCon 2018, ils nous avaient montré des images avec carrément eh bien, toute une mise en scène au niveau des dialogues. Arthas, Uther, même Jaina, avec des plans de caméra un petit peu dynamiques, focus sur certains persos, etc. Et ben là, on se rend compte que pas du tout en fait. Là, en fait, c'est du Warcraft 3 basique. Donc j'ai l'impression que leurs prétentions ont été revues peut-être un petit peu à la baisse. J'en ai aucune idée, on va vraiment s'en rendre compte au fur et à mesure de notre avancée. Mais dans l'idée, ouais. Ce qu'ils nous avaient montré à la BlizzCon 2018, ça me paraissait quand même bien plus nouveau en fait. Or là, on se rend compte que c'est du Warcraft 3 en un petit peu rehaussé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais c'est pas très très grave. Ça reste au moins un jeu qui, pour l'instant, est fidèle au vieux Warcraft 3. Donc là, on peut constater que Arthas a un sort, Lumière Sacrée, qui rend 200 points de vie à une unité vivante ou inflige la moitié de ce montant sous forme de dégâts à une unité mort-vivante. Donc hop, c'est avec T, très bien. Nouvelle unité, les Fantassins. Bon, rien à dire de particulier. En termes de dégâts et en termes d'armure, je ne sais pas trop ce que ça représente. Donc on verra tout ça en combattant. Alors, là on constate qu'il y a des villageois un petit peu partout, ok. Traître à la lumière, il a dit. Tiens, la petite villageoise là. Salutations, monseigneur. Stéphanie, bonjour. Excellent plan. T'as, ils ont tous un petit nom là? Non. Certainement. Bon, oui. Une quête! Ouais! Lord Aeron peut compter sur nous. Vite, à vos épées! Terrible! C'est trop bien! C'était ça la quête! Le mouton! Bien sûr. Oh, il y a une autre quête! On m'a dit qu'il pouvait encore exploser!
Ouais, formidable, on va vachement bien voir là comme ça. On essaye ou pas? Allez, c'est maintenant mon ami. Oh. Je vous en prie, vous êtes mon seul espoir. Un groupe de gnolls a enlevé mon petit Timmy. Oh Timmy. Ils l'ont emmené dans leur repère au cœur de la forêt. Ramenez-le-moi par pitié. Oh Timmy. Timmy. Vous connaissez Timmy, hein? Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable parce que moi je me souviens justement à l'époque de WoW classique, hein, quand WoW était sorti. Il est là Timmy. Oh le pauvre Timmy, et ça me fait de la peine. Parce que, bon, je vais pas vous spoil, mais Timmy, on va le revoir un petit peu plus loin dans la campagne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on joue à WoW, et ben Timmy, il est en donjon. Il est à Stratholme West, Strat Scarlet. Merci infiniment. Tenez, voilà pour vous. À notre protection plus 1. Ok, très bien. Donc ouais, comme je vous disais, il est à Strat Scarlet. En fait, juste avant d'entrer dans le côté écarlate, sur la gauche, il y a un boss, il s'appelle Timmy, et c'est une ghoul. Et bah c'est lui, en fait. Sauf que, à l'époque, en fait, quand on jouait à WoW, c'est pas qu'on s'en fichait, mais seuls ceux qui connaissaient Warcraft 3 pouvaient remarquer ce genre de choses. Et ça donnait un relief supplémentaire à WoW, en fait, tout simplement. Et là, ouais, on le retrouve, le petit Timmy, petit garçon. Bon, ça va, on l'a sauvé. Pour le moment. On verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours sympa de... Vous voyez, regardez, ça en fait, c'est ma période préférée dans WoW. Warcraft 3, dans Warcraft, pardon, pas dans WoW, dans Warcraft. Ce côté humain. Des bandits nous attaquent. On va vous détrousser comme ces vulgaires paysans. Ménage, il s'appelle. Les bandits m'ont volé mon registre. Sans lui, ma ferme est perdue. Si vous parveniez à le récupérer dans leur camp, vous nous sauveriez la vie. T'inquiète même pas, j'y vais. Justice. Tuer Ménag, le seigneur des bandits. Ok, très bien. Et rapporter son registre à Gérard. Donc voilà, comme je vous disais, moi c'est de loin ma période préférée de l'histoire de Warcraft. Tout ce qu'on va vivre là sur... Putain, il est gris, on va pas avoir l'XP. Qu'est-ce qui se passe? C'est, ouais, Arthas, évidemment, Uther, Jaina, et puis après tout ce qui suit, hein, Grom, Thrall, ou même encore Illidan, Sylvanas, bref, c'est ma période préférée de très très loin, c'est celle qui fait que j'ai... Quoi? Mais je peux pas le soigner? T'es... Ma... Mais quelle est cette sorcellerie? Moi je veux jouer avec les raccourcis et tout, mais j'ai pas... Mais... Quoi? Attendez, c'est bien T. Je comprends pas. La lumière est ma force. Ouais, je sais pas trop comment ça marche. C'est pas grave. Alors, donc voilà, ouais, je vous disais simplement que c'est la période que je préférais. Donc c'est toujours un plaisir de revivre tout ça. Mais là, il est temps de mettre le premier point de talent. Donc visiblement, de ce que je comprends, on peut pas bourrer une technique. On peut pas mettre le rang 1, le rang 2, le rang 3, etc. Par exemple, là, j'ai déjà la lumière sacrée. Je pourrais ajouter un point qu'au niveau 3, puis peut-être au niveau 5, un truc comme ça. Mais je peux pas mettre un rang au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc voilà, là je peux pas le prendre. Du coup ici on a bouclier divin. Donc en fait c'est la bubule qui dure, waouh, au niveau 3, 45 secondes. C'est incroyable ça. Ici on a l'aura de dévotion qui augmente l'armure des alliés proches aussi. Je pense qu'on va partir sur ça. La bubule c'est incroyable, mais je pense qu'on va partir sur l'aura de dévotion. Parce que... Eh bé, c'est quoi le problème? Vous voyez, des fois, il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que ce soit un bug du jeu, hein. Je pense que c'est juste moi qui ne sais pas jouer. Mais du coup, pourquoi je ne peux pas prendre l'aura de dévotion? On va essayer de sélectionner Karthas. Et ben voilà, en fait. Hein. C'est pour ça, voilà. Là, je ne sais pas jouer, c'est de ma faute. Il faut sélectionner que Arthas. Et là, qu'est-ce que nous avons? Merci pour votre aide. C'est bon, la petite quête? Et on a eu quoi? Accepter ceci, il me dit. Certainement. Bon, et bah très bien, on l'a aidé, au moins il a récupéré son registre. Au secours! Il s'échappe! Tuez-le! Oh, les orques! Zog-zog!
qu'ils ont mené l'assaut. Putain, j'ai pas ma chaîne d'éclair là. Quels sont les ordres ? La lumière est ma force. La lumière. Donc là, ok, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est de peut-être garder un petit peu un œil sur la vie des fantassins. J'aimerais bien tous les garder en vie, c'est-à-dire lui par exemple. Est-ce que j'irais pas lui mettre un petit soin comme ça là ? Voilà ! C'est ça qu'on veut. Je peux en mettre beaucoup des soins en plus. Regardez-moi ça, 65 de mana. Ah oui, 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 oui. J'ai très largement suffisamment de mana. Hein. Donc on va essayer de garder justement nos amis en vie. Parce qu'on peut en avoir besoin. Très bien. Alors, bah écoutez, je pense qu'on peut aller au camp orc. Hein. Enfin, au camp orc. C'est plutôt une ville humaine à la base, mais qui visiblement a été saccagée par le clan Roche Noire. Toi, vaincre le maître des esclaves et ses gardes. Allez, on garde un œil toujours sur la vie. Malheureusement, bon, Arthas, j'ai envie de vous dire, c'est un paladin, quoi. Non, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que on a juste... Eh bien, tout simplement, à garder un œil sur les barres de vie, et puis le reste, ça se fait un petit peu tout seul, en fait, hein, puisque c'est une aura de dévotion, donc c'est du passif. Justice sera rendue. Bon, moi, le problème, c'est que, vous voyez, quand il y a des caisses à casser comme ça, bien sûr, j'ai besoin de les casser. Certainement. Pas toutes, mais en tout cas la plupart. Plus aucune rédemption n'est possible. On sait jamais s'il y a du loot. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Emmenez ces chiens hors de ma vie. T'as entendu le chef ? T'as entendu le chef ? Bon, ouais, bah écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Moi, je vais pas vous mentir que cette campagne humaine, elle m'attriste un petit peu parce que on le verra un petit peu plus loin. On va pas en parler dès maintenant, mais ouais, cette campagne humaine, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je me demande même si c'est pas ma préférée parce que il y en a d'autres qui sont épiques. Hein. Je pense notamment à la campagne elfe que j'avais beaucoup aimé aussi, alors qu'à la base, je suis pas super fan des elfes. Mais ouais, moi ça me parle bien. Et puis évidemment les orques, c'est ce que je préfère. Si un jour je joue en PVP à ce jeu, en multijoueur, ce sera orc. Zog zog. Bon, on va caler un petit soin. Celui qui a l'aggro. Un petit soin au tank. Là. Oui. Encore un petit heal. Il garde l'aggro pour l'instant. Tant que je peux le healer, ça va. Je sais qu'il est possible de faire en sorte de faire switcher l'aggro entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'il faut... Tiens, bah regardez, lui, il a pas beaucoup de vie. On va le terminer vite fait, bien fait. Moi, j'aimerais bien avoir les barres de vie en permanence. Je sais pas si c'est possible. Attendez voir, parce que là, je me rends compte que ce serait très utile de voir toujours les barres de vie. Barres de vie aux couleurs de l'épée. Ouais, non, c'est pas ça. Temps de recharge en chiffres, pourquoi pas, j'ai l'habitude. Barre de vie des statuts d'unité, toujours. Je pense qu'on est pas mal là, les amis. Ah oui, je pense qu'on est pas mal. Oui. Bon, on les voit toujours. Donc, est-ce que ça va pas me gêner? Excellent plan. C'est possible que si, mais on les voit toujours. Soyez béni, Prince Arthas. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qu'ils ont capturés ? Ne t'en fais pas, petit. Nous les trouverons et les ramènerons sains et saufs. Prince Arthas, le seigneur Uther requiert votre présence au camp des orques immédiatement. Jamais un instant de répit. Allons-y. Victoire, les amis. Paf ! Il y a eu un petit bug là pendant la cinématique, j'ai cru que ça avait planté, mais non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette petite mission. Donc là, on va bien regarder s'il s'agit à chaque fois d'une nouvelle mission. Effectivement, voilà, Roche Noire, c'est noir. Il me semble qu'elle s'appelait Black Rock'n'Roll avant. Black Rock'n'Roll, et le nom m'avait bien fait rire. En tout cas, voilà, c'est terminé pour ce chapitre 1, la défense de Strandbrad. On se retrouvera eh bien, un petit peu plus tard, évidemment, pour la suite, c'est-à-dire le chapitre 2.
Des bisous les petits potes et à la prochaine. Bye bye.